premier match, mon cher Mister MV, mon cher DLG. Oh my god. Et directement It's les on. Premiers bans qu'on connaît bien, Kalista, Varus, parmi les deux meilleurs ADC de la méta clairement, qui vont Allez être directement mis à l'écart. Xante qui va être ban bien sûr, le champion que tu peux piquer en blind. Toujours cassé Xante, putain ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrêtera pas. Cassantex, ah ouais, celui-là il ne bouge pas. Du côté de la top lane, en plus on a voilà, un match. Vraiment, c'est de l'expérience à balle, hein, Agressivo pour le coup, joueur de LEC hein, qui a joué chez BDS, qui était le MVP de LFL en 2021, qui est monté en LEC en 2022, qui est reparti chez BDS en 2023 en Académie et qui est maintenant chez nous face à Lotte, bien sûr. Attention à la lane. Il faut que je ramène la cam au bout de camp. Là. Et oui, Lotte, vous voyez, hein, les côtés. Le Rumble First Pick Rumble. Ah oui, non mais alors Rumble c'est un perso qui est ban 90% du temps, hein. Clairement c'est un champion qui est vraiment une très grosse priorité, nous on adore Rumble. Ah ouais, je suis très content qu'on puisse récupérer le Rumble en first pick, oh oui on le fait. Et ça va nous faire du bien, en face Lucian Milio, peut-être la bot lane la plus en vue en ce moment, très méta, très forte, il n'y a pas exactement de counter. Ah. On a beaucoup vu ces champions là ensemble, c'est assez normal, il reste pas énormément d'ADC potentiellement forts on va dire. On va pouvoir récupérer pour l'instant, il y a Aphelios hein, même s'il a pris un léger taquet, ça reste un très bon pick de teamfight notamment, et c'est ce qu'on va récupérer ici. Ouais, je pense que le match-up le plus important, c'est celui de la mid lane pour nous. Alors, contrairement à l'année dernière, on avait Eika, voilà, qui fait partie des tauliers de la LFL, qui avait un champion pool assez extrême. En fait, Nafkela a à peu près la même chose, mais il a moins d'expérience que Eika quand même, donc il va devoir forcément essayer d'être mis sur des bonnes dispositions, et là on le voit, on a pris Rumble sur lequel on est à l'aise, et en face on a répondu à Lucian Milio par Aphelios Renata. DFG, toi au niveau du support, ça te paraît cool? Ouais, bah c'est un matchup qui se joue bien. Clairement une ambiance de teamfight, c'est Udyr ce perso effectivement avec les beaux cheveux. Incroyable mais vrai. ouais c'est Udyr, on dirait Chabal, je sais, mais c'est Udyr. Champion existe. Qui a été récupéré chez GO. Bah, alors Udyr c'est pas mal du tout, hein. C'est un très bon champion, justement je parlais un peu des objets qui étaient... A priori plutôt jungle, j'ai vu des gens jouer top en solo queue, je pense que ça peut exister mais... Contre Rumble, c'est alors, dur attends, à dire. Non, parce que Udyr top contre Rumble, je pense pas que Rumble passe à bon moment, hein, non? Auto-attaque Udyr contre Topo. Udyr top c'est Astro Broken, aïe. Là on part sur une compo clairement qui est orientée teamfight, hein, donc là les lanes vont pas forcément être dingo pour le moment en tout cas. Après faut voir comment on va le sortir, ça a l'air d'avoir été beaucoup joué top, ouais. Alors le chat, a priori en Corée, ouais, il a cassé tout en top, le Udyr top là. Le chat est unanime. Eh bien, j'y crois. Ça m'étonne pas de Lotte, okay. Qui est capable de sortir des champions duelistes. Oui. Face à Rumble, il a l'air d'être plutôt à l'aise. Et puis on se souvient qu'il avait un temps d'avance à l'époque, hein. Souvenez-vous de ces games Atrox improbables. Incroyable. Okay. Aussi, on avait vu ça. Ah, okay. Donc là, ça nous confirme effectivement que le Udyr va être top. Il n'y a plus aucun doute possible. Bukadam, ok, jungle. Donc ça reste un pick classique. Alors c'est beaucoup moins fort que ce qu'on a pu connaître le split dernier, je vous rassure. Ok, qui est toujours un très bon champion, mais qui est vachement moins terrorisant que ce qu'il a pu être. Alors les très bons junglers ont été écartés. Akali aussi. Hein. Akali, c'est un des top picks du patch qui a été sorti ici. On va prendre Syndra. Syndra Blind, vachement intéressante contre Lucian et Milio, hein, si les deux champions sont exposés, pourquoi pas. Ceci étant dit, j'ai un tout petit peu peur, on n'a pas de tank, et je pense qu'on va devoir forcer une Sejuani, mais ça ferait quand même 4 AP pour nous. J'aime pas trop ça. Est-ce qu'on a un tank AD qui est... Il y a Poppy, mais Poppy n'a pas une immense value dans la game, non c'est pas bon. Il y a Lee Sin. Lee Sin qui est un très bon pick du patch aussi, hein, qui est sympa, qui dynamiserait un peu l'early game qu'on pourrait. C'est ça qu'on pourrait manquer un peu d'engage, un peu de sauce. Et Lee Sin qui tombe plutôt bien. Alors que. Faut qu'on gagne l'early. Hein. Bon, pour l'instant, hélas, nous n'aurons que ces plans par ces locaux de Géo qui, je vous le rappelle, sont subventionnés par Patrick Balkany lui-même. En personne. Alors là, par contre, est-ce qu'on a assez parlé du tweet ou pas de Géo? Qui a décelé Lotte. Attention, hein, quand même. J'étais à deux doigts de prendre le métro et d'aller chez Géo. J'étais sympa parce que j'ai parlé que Lotte. J'aurais aussi pu parler de Ragnar. je n'ai parlé que de Lotte. J'étais à deux doigts. Moi, on m'a interdit de flame cette année, donc voilà, j'en suis très personne. Sachez que chaque fois que je vois un tweet, je me retiens fort de lancer des dingueries. Je ne le ferai pas, je m'y tiens pour l'instant. C'est vrai. Et Jace pour finir, attention, énormément de dégâts AD, hein, messieurs. Alors, à part si ma méconnaissance me fait dire que Udyr serait AP, pour moi Udyr, ça serait plus AD. J'ai pas le build exact, mais je crois que c'est... Non, je crois que ça joue aussi, AP, si ça joue Phoenix, coup, c'est très magique. Hein, si ça joue Phoenix, c'est très magique. Je vois pas pourquoi il prendrait ça.
Ouais, je pense que ça marcherait bien comme ça. Ouais, et puis Rumble, c'est pas un champion qui build de la résistance magique, hein. Il va build des dégâts, donc forcément avoir un double AP au top, ça a énormément de sens. Ça permet aussi à Syndra de ne pas one-shot. La draft de Geo est pas mal, je dois admettre que la draft de Geo est pas mal, très surprenante aussi. Hein, c'est pas qu'on n'est pas préparé, bien sûr, mais aussi on est au tout début de la saison, il y a forcément des joueurs, des équipes qui ont préparé des pocket picks. On l'a vu ce matin en LCK, il y a également des champions qui peuvent sortir un petit peu nulle part. Donc voilà, la première semaine, c'est généralement le moment de sortir un petit peu des champions un peu surprise. Ouais, bah non, j'aime bien notre draft, je trouve qu'elle est, elle est équilibrée, c'est que des top picks hein, de chaque rôle de toute façon. Enfin, on va dire que c'est un peu le cas des deux côtés. Hein. Mais j'aime bien ce genre de draft là où justement on peut facilement call des focus aussi, puis on a un très très gros team fight. Si on arrive à prendre nos fights intelligemment et qu'on est pas trop mal au niveau des phases de lane, je pense que ça peut très bien dérouler. Oh là là, nouvelle intro. Ouais, bouh. Horrible. Oh là là. Non, non, trans, non, non, non. Allez, le bouclier. Là, ça va être bien ça. Allez. Oh, ils ont bossé sur nous. Oh, ils ont bossé sur nous. Des petits effets et tout. Oh, c'est cool, hein. Ah, c'est cool. Ça, c'est ils sont bossés, hein. D'ailleurs, c'est travail. D'ailleurs, il y a eu un petit tweet qui était passé de quelqu'un qui avait analysé toutes les DA de toutes les équipes dans toutes les ligues actuellement. Et nous sommes la seule équipe à avoir un maillot de couleur blanche. Et, en gros, ouais, c'est dans les maillots, les sets de communication, en gros. Tout le monde fait des trucs en noir et nous on fait des trucs en blanc. Ouais. Voilà, bon, 90% des équipes ont du noir, du bleu foncé, du violet. On est la seule équipe avec du maillot blanc. Et c'est notamment pour mettre en avant vos abdos, nos chers fans, que nous avons fait ça. Et on est très contents en tout cas d'avoir cette DA. On est parti, attention, ici avec ce Udyr qui est peut-être le champion méfier. La surprise coréenne, visiblement. Ça me fait peur. Bon, faut pas me stresser comme ça. Hein. Alors après, si ça peut te rassurer, Aggressivo, c'est un très 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 gros joueur de Rumble historiquement. En plus, là, le perso est très très fort, donc ça va être clairement notre avantage. Et premier 2v2 qui va directement exploser ici avec Ido et Vignorem qui n'ont pas eu peur du petit 6 level 1. On a l'arme rouge hein, pour Raphaelios qui va pouvoir remonter ses points de vie tranquillement. Et il joue Fleetfoot en plus, donc on est quand même sur une lane qui devrait sustain correctement. Attention à la transit niveau 2 qui peut être très dure. Il faut se battre pour le push, c'est important. Alors c'est possible que son légère chute de FPS, je peux changer de navigateur, mais normalement ça devrait aller. Ah oui, je vois ça, oui. Ouais, je le suis aussi chez moi. Donc. Tu peux couper le partage si t'en veux un peu. Ouais, je pense que ça joue. On va se dire qu'on est à peu près 5 pour de toute façon. Vous me dites si c'est ok au niveau du chat, normalement ça devrait aller à partir de maintenant. Sinon, je peux changer de navigateur. Mais ouais, Ido Vignorem, une botlane, pour le coup, pour les avoir vus en scrim, pour avoir écouté les retours de Lune, c'est une botlane qui a, à mon avis, un plafond très élevé. Deux joueurs qui n'ont pas le même style de jeu exactement, mais qui s'entendent vraiment très bien depuis le début de leur symbiose. Et là, on a la chance d'avoir un bootcamp physique long. Oui. Donc, du coup, j'ai un bel avantage. Tout à fait. Non, puis c'est très bien. Alors, tu sais, Lucian, faut pas se faire avoir. Lucian, c'est pas le Lucian d'avant. C'est pas un Lucian qui est uniquement fort en lane et après qui s'essouffle très vite. C'est un perso qui reste relevant toute la partie, surtout avec Milio. Donc c'est quand même bien de prendre un lead au niveau de la lane, mais il faudra quand même garder en tête que le champion reste intéressant. On a un invade de Wukada. Bien, ce qui fait Rubudaki là, ici. Bon, très malin de contester. Ici, on n'a pas la prio de la mid lane. Il va peut-être même pouvoir se battre hein, s'il a envie de l'avoir. Ça reste un Lee Sin, c'est très mobile. Maokai, pour faire ce red buff, ça lui prend du temps. Il a posé la vision et il va repartir. Très intelligent. Il a décidé de juste. Ouais. Il s'est dit ok, tu veux contester mes raids ? Moi, je fais mes golems. T'as perdu du temps et après, je ferai mon raid. Il n'a perdu aucune seconde Ryuzaki ici alors qu'il n'avait pas la vision. Très belle visibilité, on rappelle, hein, Ryuzaki, triple champion de Pologne. Certes, qui est une ligue un tout petit peu en dessous de la LFL, mais quand même, il a joué chez ZTENA City, le club aujourd'hui numéro 1 de Pologne, notamment qui a récupéré notre coach Xani. Et des très très bons joueurs dans la line-up. Et c'est vrai que les fans polonais de ZTEN étaient vraiment très tristes quand ils ont appris que Ryuzaki était parti. Donc voilà, un joueur qui. Et notre capitaine en termes de leader, en termes de leading dans la partie et qui va, je l'espère, rythmer la partie. Ouais, effectivement, il a cet aspect shot call. Hein. C'est pratique quand t'es jungler en plus, vu que t'as une vision quand même vachement macro de la carte très tôt. Et que c'est toi qui vas avoir tendance à beaucoup déclencher les premières agressions. Et pour le moment, on est en train de bien s'en sortir. Tout le monde est even au niveau des lanes. Ce Udyr top qui, je pense, va quand même poser un peu problème parce que ça m'a l'air d'être quand même assez fort contre les mêlées. Je pense que Rumble va peut-être un peu souffrir, mais... On a ambition à avoir ce Rumble très fort en phase de teamfight de toute façon. Alors qu'on m'indique que peut-être que
On a un placement caméra à bouger peut-être si on cache les sponsors de la LFL. Ah, nos très chers amis, les sponsors de la LFL qu'on s'en voudrait de masquer, bien sûr. Excusez-moi. Je crois que c'est mandatory, là, c'est pour ça. Ouais, clairement. Qui est dessus. Ce sont des scènes. Non, c'est tout en bas à gauche. Ouais, normalement ça devrait aller, non ouais. Oui, c'est moi. Il y avait des scènes qui étaient déjà mises. Non, c'est bon. Ça devrait être corrigé maintenant. Et en bas à droite, je pense, on est pas mal. Nos excuses au CIC, bien sûr. Bien sûr, hommage. On embrasse à coup de million. Alors. Donc, midlane, évidemment. Alors, Naf Kella, il a un avantage et aussi, je dirais, un défaut, c'est qu'il aime beaucoup de trade. Bien sûr. C'est un joueur qui va être clé pour nous. Si Ryuzaki arrive à bien jouer avec Naf Kella, on peut avoir un mid-jungle vraiment très dangereux. Mais parfois, voilà, en tant que midlaner, il faut savoir quand trade, quand pas trade. Et j'ai hâte de voir la relation mid-jungle qui est si importante. Je n'ai pas aimé avoir la vie d'Agressivo fondre aussi vite sur les quelques agros de l'autre là. Mais... C'est normal. C'est normal si ça peut te rassurer. C'est très très fort contre les mêlées. Hein, donc en top lane, je pense que c'est un pic qu'on risque de pas mal voir. À la pop, et ça s'explique assez naturellement. Ouais, pour le moment, tout est assez even au niveau de la game. Il n'y a pas forcément de gros avantages qui se prononcent. Bon, on est qu'à 5 minutes, bien sûr, mais ça se gratte tranquillement. Bien sûr, le milieu qui permet de bien tenir sous la tourelle. Les Géos qui sont pas spécialement inquiets et qui ont quand même cette présence avec ce Maokai dans la jungle. Ouais, le Jace qui a quand même d'empêcher les dives. Pas mal de liberté, hein, je trouve. Il a pas trop peur à ce niveau-là. Attention, on a quand même beaucoup de champions fragiles. Hein. Ce pic Maokai qui peut être très dangereux, qui peut prendre de l'agressivité pour les autres. Voilà, Renata, Aphelios, Syndra, voire même Rumble peut subir un Maokai. Et d'ailleurs, on peut lui mettre pas mal de dégâts. Faut juste être vigilant et bien traquer ce jungler, chose que fait très bien pour l'instant Ryuzaki. Ouais, tout à fait. Et comme tu le dis, on a Sixten qui est assez libre sur la map, c'est assez logique, hein. C'est le pick qu'il a choisi en réponse à Syndra justement, donc il doit être assez à l'aise sur ce matchup là. On voit souvent des Jace dans Syndra, c'est un matchup assez commun. Et il peut prendre le push et après chercher à se déplacer, pour l'instant ça n'a aucune incidence bien sûr. Oh. Et Ryuzaki qui a décidé de déclencher le premier dragon grâce au... Voilà, prio botlane, on sait que le milieu arrive. Peut-être le premier dragon de la saison 2024 de notre club. Et le timing sur les Void Grubs, du coup, c'est à peu près similaire ou... C'est-à-dire le moment où il faut les aggro, quoi, entre guillemets. Ouais, bah tu peux les faire, j'aurais pu déjà les faire. Après Maokai, ça a pas forcément envie de les faire parce que c'est assez lent dessus. Donc à moins de déclencher en groupe, c'est un peu plus compliqué. Et Lee Sin, pareil, c'est plutôt un perso monocycle quand même, donc je préfère faire le dragon au Void Grubs. On va voir dans quelle mesure on cherche à les contester ou pas. Il y a Agressivo qui vient enfermer Bukada. Attention, ça va être un 2 contre 3. On est peut-être pas forcément ravi de ce combat. Level 5 contre level 7, attention parce que là on n'a pas le jungler. On n'a pas notre jungler, on sait flash. Qu'on a joué le dragon juste après Naf Kella qui va être peut-être un petit peu en difficulté, qui va se faire bloquer le très bon flash de la part de Naf Kella. Ça va être un 3v3 après coup. Ryuzaki qui va être lamé, il n'a pas de level 6. Attention parce que l'autre il est en train de se balader un petit peu. Et ouais, on a joué sur le dragon et on a voulu qu'on teste un petit peu la vision au Herald. C'est forcément un petit peu compliqué ici, on peut pas jouer sur tous les plans en même temps. Du coup, Géo qui va pouvoir récupérer notre blue buff, c'est que un kill mais ça reste le first blood. C'est pas très grave. On a voulu un peu ne rien donner, ne rien concéder. C'était un peu compliqué effectivement. On savait que Ryuzaki était un petit peu en retard, forcément, puisqu'il vient de récupérer le dragon. On a cherché à initier puis temporiser. Malheureusement, c'est une compo qui rentre quand même bien dedans, il faut le dire. C'était compliqué d'aller chercher les petits grubs. Parce qu'il y a là qui trouve le bon flash, mais là voilà, là, il fallait probablement réussir à disengage bien plus tôt. Avec un kick de Lee Sin, on aurait pu sauver la situation, mais il n'est pas niveau 6. Et Sixten. Ça, c'est des petites erreurs de début d'équipe, en fait, c'est que... en fait, t'as envie d'aider ton pote. Même s'il fait une petite erreur de positionnement, t'as envie de l'aider. Il a récupéré. Est-ce qu'on a le kick? Oh, excellent kick flash de la part de Ryuzaki. Ça va être dur, je pense qu'il va malheureusement tomber. Beaucoup de dégâts quand même placés sur le dire de l'autre, mais il n'y a pas forcément les cooldowns disponibles pour Agressivo, c'est compliqué. Agressivo! Il essaie de le faire fondre, mais c'est dur. Brûle, Babylon! Ah, ça finit pas, malheureusement. Il y a trop de Magic Res, trop de Magic Res sur ce Udyr déjà. Ça vaut le coup de voler un Voidlings ou pas? C'est bien de pas tout donner, on va dire. Voilà, parce que là, qui se fait par contre complètement agresser, il n'a pas son flash. Ça va être un kill récupéré ici par Sixten qui a bien saisi l'opportunité. Ouais, pas de flash du côté de Naf Kella, forcément.
On en a profité malgré la way. Il a tellement de dégâts ce Jace. Ah bah ouais, hein. tu verras que cette saison tout le monde se one shot, hein, c'est normal. Attends, ok, je d'accord, c'est plus ça. Peu, je crois qu'on est en avance. Hop. Ouais, on a peut-être un peu d'avance. Ça devrait être mieux là. Ok, on a réussi à avoir un dragon, on a réussi à piquer un petit void. La botlane qui tient bien quand même. Attention parce que là, le Jace qui va réussir à récupérer des petits kills. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là ici? On arrive à farmer Ryuzaki qui tient bien quand même sur la backline. Faut pas donner trop de kills quand même. Là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais la volutraine, c'est vraiment surprendre par le flash. Ouais, ouais, okay, le burst de Jace qui est assez délirant. Wouah, les dégâts quand même, hein. J'avoue que je m'y attendais pas du tout. Hein. Ouais. Ouais. C'est une saison de one shot, hein. Saison 14, c'est vraiment. Il y a eu un patch de durability il y a 6 mois, mais il est déjà clairement oublié. On est clairement sur un patch où tout le monde se one tap et tout le monde a 3000 points de vie quand même, donc c'est un peu absurde. Ah, oui, mais... d'accord. tout le monde est censé tanker de fou, mais tout le monde se one shot. Bref, les objets qui sont un peu trop forts, il y a des révisions au niveau des ratios qui vont être vues. Hein. Sur pas mal de champions au fil de la saison. Parce qu'il n'y a pas eu de patch de pré-saison, il n'y a pas eu de patch d'ajustement cette fois-ci, donc forcément. Attention à un AFK là. Le mythe, c'est déjà un peu chaud. Ouais. Voilà, le Jace, bah, du coup, tu l'as dit, DFG, hein, le one shot forcément fait un petit peu peur. Ouais, le go ici avec hein. Ulti, on a un flash out peut-être, Benyurem qui va tanker. C'est pas mal, l'ulti est pas mal. Donc il va disengage avec l'ulti de Renata, mais le kills. Effectivement, le flash out de la part de Bukadas. C'est là le re-engage est compliqué, les amis, très compliqué. Oh là. Ah, on aurait pu peut-être s'échapper. Dur. On aurait pu s'échapper là-dessus. On a eu un excès de confiance, j'ai envie de dire. Ouais. Après avoir vu. Qui était bien là, ouais. Ah, ils ont eu envie de turn et je comprends, en vrai, ça donnait envie, mais. On prend la plate. C'était compliqué. La plate qui récupère pas Nafke la mid lane, effectivement. Bon, top, ça va être le match-up de l'enfer, hein. Clairement. On va avoir Agressivo dans l'incapacité de tuer Lot. C'est normal, hein. Regardez le stop de Lot, hein. C'est que de la résistance magique. Il sait très bien à qui il a affaire dans ce match-up là. Et il va chercher, je pense, beaucoup à prolonger cette phase de 1v1. Chaud, chaud. Hein. Alors, Luden sur la Syndra de Nafkela. Alors, Luden qui a un peu changé aussi, enfin qui a même beaucoup changé. Pas exactement le même objet. Maintenant, il y a des stacks qui vont, vu que c'est un revolver, il y a des stacks qui vont comme des balles en fait, hein, qui vont se charger dedans avec le temps. Puis se libérer lorsqu'on inflige des dégâts. Que ce soit au sbire ou au champion. Ouais. Là, il va falloir forcément laisser peut-être le dragon. Attention ici, Venurem qui veut contester la vision intelligemment. Mais il y a Bukada et Prime qui sont présents là ici. C'est difficile pour lui parce que son jungler est pour l'instant sur le top side. Donc il est venu l'aider un petit peu. Peut-être qu'on a une deuxième ping du côté de Venu à Calais. Oui, mais... Oh, le 6-10. On la perd assez vite. Là, quelques dégâts. Et le Mercure qui empêche... le contrôle de non, fou je pense le que c'est dur de le contester. On n'a pas l'ultimate de Renata, on n'a pas l'ultimate d'Aphelios, on a assez peu de summoners, on n'a pas encore converti non plus les premiers objets à part sur la mid lane, c'est un peu léger. Et surtout on n'a pas Rumble, hein. Je pense que teamfight sans Rumble c'est pas du tout dans notre intérêt. Allez, c'est logique de concéder ce dragon, c'est pas un temps fort du tout pour nous. Ça serait une map de feu donc. Ah, une map de feu comme j'en parlais tout à l'heure qui n'explose plus rien, hein, mais. Dommage. Contre le Maokai là, ça aurait été bien. Ah bah oui, mais bon. L'ancienne recette, on l'aurait prise dans ce moment. Oh, ça change quand même, les dégâts. Ouais. L'autre qui prend quand même très très cher, mais il y a beaucoup très, de très MR. Tanky, ouais. Beaucoup de MR. Ah ouais. Très très tanky, je pense que ce Udyr ne peut pas vraiment mourir sur le 1v1 à moins d'une erreur assez massive. Agressivo qui le brûle bien, mais. Fernet, logiquement, ça ne suffira pas. Ah. Et les grubs là, qui vont être récupérés par Géo, je pense pas du tout qu'on soit en mesure de contester. On va devoir les donner. Alors vu qu'on en a pas eu deux, en gros, ils vont quand même avoir le buff des spawns. D'accord. Bon, ça changera pas trop la game a priori. Donc mais là, ça change quoi qu'ils en aient 4, 5 ou 6 exactement? C'est quoi la différence? En gros, quand on prend... Alors, c'est quand on a 4, tu as les petites bêtes qui spawnent. Quand tu tapes les tourelles, en gros, c'est comme des petits sbires que tu vois là, les espèces de petites larves en plus qui viennent avec toi. Mmh. Et après, c'est plus t'en as, en gros, plus tu vas infliger de dots sur les tourelles quand tu tapes dessus. Les tourelles deviennent violettes, tu vois, quand on tape avec un buff. C'est un passif, en gros, que ton personnage débloque. Et ça permet de mettre un petit dot sur la tour, plus t'as de stacks, plus c'est fort. Ok. Et il faut 5, pardon, pas 4, j'ai dit 4, 5. Bon, bref. C'est 5, ok. Parce que nous, on en a récupéré une. Ils l'auront quand même. On a réussi à poke un petit peu cette tourelle au niveau de la bot lane, 2 kagols de retard. Attends, évidemment le First Blood, là il y a eu des petites errances mécaniques hein, de l'autre côté forcément.
qui nous a coûté un petit peu cher. La France a peur. Ça peut le faire. Ouais, là, si. Là, Géo sont dans une bonne position pour commencer à instaurer un snowball, hein, pour être honnête, mais. C'est là qu'on va aussi pouvoir tester un petit peu. Si tout est bien huilé. Parce que c'est clairement une compo qui a de la marge d'erreur. Hein. Donc, va falloir réussir à s'infiltrer là-dedans. Puis, nous, on a un scaling qui est plutôt bon aussi. Hein. J'aime beaucoup la draft qu'on propose. On a sur Lee Sin le nouveau Thunderer, on va dire, qui permet de mettre un crit après avoir tapé. Enfin, c'est quand tu tapes le mec pour la première fois, tu lui mets un crit en gros d'office. Très très fort pour one tap des types, vu que tout dans cette saison sert à one shot. Putain, c'est dingue. Très très bons objets pour la jungle aussi. On n'a pas forcément vu, vu que Nocturne a été ban, qui est un gros top pick aussi, qui était vraiment mis en valeur par un nouvel objet qui s'appelle la X-Plate aussi. Est-ce que ça favorise pas le snowball, le fait que justement il y ait autant de possibilités de one tap Bah, du coup, en fait, quand t'es derrière, tu peux quand même one shot des mecs. Oui, d'accord, même si t'as un déficit d'équipement. Oh. Ou, enfin, ça dépend de quel champion tu joues et de plein de circonstances, mais. Ah ouais. T'es censé pouvoir quand même remonter un peu. Le Herald qui va être dans les mains de Géo, on peut vraiment pas le contester. Hein. Attention, ouais, ici, il faut respecter le petit ouais. De Bukada avec ce Maokai. Ouais, cette fois-ci, Lucien y rentre du dégât. Ouais, bonne équipe Vignorem pour disengage. Hein, si on avait le go-in de la part de ce Maokai, justement, l'ulti de Renata qui reviendra dans tous les cas, je pense, pour un teamfight important. Mais il faut subir, là, il faut subir, il faut accepter. On est derrière, ils ont mis la pression, ils sont à 4 kills d'avance. On peut pas récupérer de kill au top. La jungle, c'est compliqué, voilà. Le Udyr qui tombe trop. Il est insupportable sans Udyr. Ouais ouais ouais. Non, c'est allez. Logique hein. C'est logique sur les phases 1v1, c'est pas évident. Après c'est pas pour ça qu'on a pick ce Rumble, donc tant mieux. Ah, il a first pick le Rumble. Hein. Donc, vraiment c'est un champion sur lequel il est à l'aise, je pense. L'autre qui avait jamais joué Rumble avec nous, donc sur ce patch c'est vraiment fort. Est-ce qu'on peut trouver? Oh, le Goïd doit tenter de flash kick ici sur Sixten, mais le midlaner suédois qui a été extrêmement réactif là ici. Flash pour flash. Flash pour flash, pas mal. On cherche à être un peu proactif. C'est important, hein, forcément. D'autant plus avec un champion comme Lee Sin. On a mis Ido sur la midlane pour pouvoir centraliser le farm aussi. On sait que Syndra peut tenir en side et on va avoir un dragon dans les prochaines minutes qui va être à contester aussi. C'est pas évident là pour Vayneron d'aller récupérer de la vision. Maokai qui est assez présent sur ce bot side. Mais la presse. Il y a quand même des très bonnes wards, hein, mine de rien. Faut juste espérer qu'elle ne fade pas trop tôt. Et qu'on se fasse pas flanquer, hein. Nafkela qui va être assez prudent quand même, qui va reculer immédiatement. On a ce Maokai qui pourrait s'infiltrer dans son dos. Ouais. Et on cherche une agression topside, un peu dur hein, d'aller attraper un Udyr excessivement ça. Tanky en plus de ça. Moi, ça m'inquiète de voir tous les gens qui disent que, que c'est full broken le Udyr. Ah bah ça, dans tous les cas, il y aura toujours les champions broken hein, dans les méta, les dans les patchs. De saloperies voilà. Là, allez-vous-en. Voilà, c'est ça. Ouais, okay, en effet, d'accord. C'est efficace, ouais. C'est ça, et en plus, t'as du coup des dots sur la tourelle en tapant dessus, basiquement. Ah, il faut vraiment que Ido récupère des kills, je pense, pour nous. Les dégâts AD vont nous aider hein, face au Udyr, face au Maokai. D'ailleurs, si on arrive à shred la frontline, pas beaucoup d'HP avec le Jace Lucian Milio. Mm-hmm. Mais ils ont la pression là pour l'instant, on subit. L'insup. Allez les gars. Ouais, c'est assez logique, hein. On n'a pas encore eu d'occasion de teamfight forcément, on a fait quelques erreurs aussi en se précipitant un petit peu, il faut le dire. Et là ça va être un dragon. Sommes-nous en mesure de contester? Je ne sais pas. On a récupéré des backshops qui sont intéressants. Ah, le Lucien a quand même deux items, ça peut faire flipper. Ah, dans l'état actuel on peut pas. On garde le mid, ouais, personne n'y aller. Personne n'y aller. On peut vraiment pas y aller. Il faut espérer en fait que l'écart se réduise avec le temps parce que 2k gold, enfin allez, 2k 5 gold à 18 minutes, Jace, c'est ouais, bien. Pareil que après. Ah, et on va récupérer le kill. Oui. Ça fait du bien. Il faut le ralentir ce Jace, c'est important. Très très bien ici le shutdown récupéré sur Ryuzaki aussi. Il faudrait essayer de défendre la tourelle mid maintenant pour empêcher une transition forte du côté de Geo. Premier kill d'Aegis en 2024. Ça c'est fait vrai. Plaisir ouais. Sur Ryuzaki le jungler. Un petit peu loin. On va le revoir, très bon stun de nous. Naf. Ouais, il est pas de flash. Ouais, là, le piège qui paye, hein. Clairement.
Petite trap dans le buisson, tout ce qu'on aime. Et on a un engage par contre pendant ce temps-là en simultané avec Rivaki qui vient de se faire dans la jungle. Malheureusement, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup. Nafke là aussi qui va se faire avoir ici. Il a pas d'ultimate disponible. Est-ce qu'on peut prendre la tour mid aux mains de Jésus, il faut une réponse. Il y a un bon décalage de Lot. Est-ce qu'on peut prendre la tour mid? Non, malheureusement, ici on n'arrive pas à prendre la pression. Et ils ont un TP top immédiatement aussi qui ressort vu qu'on a ce Jace qui a respawn. Bonne réponse côté Géo. Là, on s'est un peu éternisé, on s'est fait 4 sur le bot side. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, on avait le replay en même temps. Ouais, j'ai pas vu non plus. Et bah, c'est vraiment dommage, il n'y avait pas de grand chose à contester, je pense. Peut-être la retraite qui s'est faite couper. C'est possible, la transition qui n'était pas évidente. Ouais, t'es pas l'info hein, qui était en train de faire la transition du mid au bot. Espérance de Jésus là aux objets au gold. Ouais. C'est problématique. Ouais, leurs carries sont très très bien. Mm-hmm. Leurs carries sont très très bien, c'est dur d'aller déclencher. Ça s'annonce dur. Alors là aussi, nouveauté, une fois que le baron a spawn, les blue et red buffs sont partagés à toute l'équipe. Donc si vous faites le red buff, bah là vous voyez que tous les joueurs de l'équipe Géo ont le red buff parce que Lucien l'a fait. Ouais, ah oui. Une fois que le baron a spawn, ouais. C'est un peu pété. Là, pareil, on a tous le blue maintenant, vous voyez. Okay. C'est une bonne fonctionnalité. Ah, j'avais pas du tout ça. Et moins d'embrouille du coup dans solo queue. Beaucoup moins d'embrouille en solo queue. Oui. Au moins tout le monde là, il n'y a plus d'embrouille. Oui. Et Lot, il est partout avec son. Avec envie, tu dis. Hein. Son maudit truc là. Ouais. Oh, le dash là. Ido qui prend quelques bons trades. Il a envie de trade back sur Lot, c'est pas évident. Faut pas se faire bête hein, parce que ce Udyr il a un shield anti-magie qui n'est pas vraiment des points de vie face à Ido. On dirait qu'il a beaucoup de vie, mais en fait il en a. Bon, il en a quand même beaucoup, mais. Il un peu moins que ce qu'on pourrait penser. Vigno qui va se faire catcher, ça va être dur. Qui va essayer de le protéger, mais ouais, j'ai l'impression qu'il qui vient faire mur. Et Jésus qui arrive à choper 3 personnes en même temps. Attention, parce que là, Ido qui est en difficulté. Vigno qui est quand même très très low HP. On n'arrive pas à enlever. Il y a trop d'HP sur Bukkada. Attention à pas se faire bait quand même. On récupère un kill. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il est trop loin. Bukkada. Et c'est un deuxième kill pour Aegis. C'est en plus pour Nafkela. Ça, c'est important pour notre Syndra. On a réussi à être résilient, on a réussi à défendre notre tour, et c'est ça aussi le bouclier, on est capable de le lever quand plaisir. Il faut. Ah, j'ai vu Vignorem qui était tombé à un HP, j'ai eu si peur, incroyable de retourner ça, c'est très très bon. Ah, il s'en sort quand même plutôt bien, on a eu un peu de réussite, hein. on va quand même pas se mentir, mais je prends, ça fait plaisir. Et puis ça permet de débloquer le compteur de Nafkela, ouais, qui est un peu en difficulté. Clairement. Ouais, Ryuzaki pendant qu'il nous fait une bonne game hein, quand même, hein, qui est présent. Dans la plupart des escarmouches. Dans ces drafts-là, pourtant. Ouais. S'en sort très bien pour l'instant, c'est vrai. Alors peut-être. Allez, mon pote. Voilà, le problème, c'est qu'on a vraiment pas le droit à l'erreur. En early, on a un tout petit peu trop déconné et ça a donné de l'avance. Aggressivo qui récupère la tour du bot, c'est des golds. Ça ici, ça ouvre un petit peu la carte. Pourquoi pas? On est repassé à 2k golds de retard. On est en train de le réduire, hein, cet écart. Hein. C'est bon. Tout à fait, on a sécurisé un premier dragon, donc le seul point est quand même toujours assez loin. On va devoir négocier cette tourelle par contre. Il faut faire attention parce que la vision baron va être assez dure à contester maintenant. Ah, ils le veulent, on le baron. Un téléport sur Aggressivo aussi. Ah bah là, ouais, ils veulent accélérer un peu, je pense, la team Géo. Oh, Lot, souviens-toi de ces choufs bus et sois distrait quelques moments. Attention ici, attention. Parce que attends, on a Rumble. Il est un petit peu loin, Lot. Ah non, malheureusement, il a réussi à être. Ah non, ça ne se contestera pas. Évidemment sage là ici. Ah, jamais on se regroupe pour la vision, il faut aider Vigno, c'est important, on peut pas le laisser seul dans ce travail là. Attention, on est tous très paquets hein, pour éviter un drame aussi. Et on est très fragile aussi, hein. On n'a pas, comme on l'a dit, on n'a pas de tank en fait. On n'a pas de tank, voilà, Ryuzaki qui va faire office de tank, mais ça reste un Lissine, hein. C'est pas Maokai. Ouais. Attention Ido qui va essayer de bonnes armes pour fight là, Ido, je pense qu'il a envie de déclencher, on a de très bonnes armes sur ce Aphelios pour chercher les embrouilles. Ouais, c'est un peu la décarie teamfight. Hein. Ido, il aime beaucoup les teamfights pour le coup. C'est un bon laner, mais surtout c'est un très bon teamfighter. Mais il faut trouver aussi le bon setup. Et on n'est pas dans des bonnes dispositions là. Donc il faut vraiment être patient. Ah, puis je vois la barre de. Aïe aïe aïe, Ryuzaki. Alors Ryuzaki en petit face check là, ça peut être compliqué. Hein. Il va falloir s'en sortir très vite. L'autre qui a. Surtout, je vois jamais sa barre de vie bouger et ça commence à m'énerver.
C'est normal. Oh Jésus. Jésus, oh, oui. Qui va prendre un peu de dégâts, c'est pas mal. L'ultimate part dessus directement, Agressivo qui a envie de déclencher, c'est compliqué. L'autre qui va venir faire office de frontline. Oui, mais qui va cher, plutôt bien. Il nous fait beaucoup l'ultimate, il ne touchera malheureusement pas. C'est dommage, c'est très 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 dommage. Le counter engage avec l'ultimate de Mocker. On est au 4v5, on n'a pas du tout Nafke là, il est pas là. On va mettre le sort de Renata pour essayer de temporiser un petit peu, gagner du temps c'est sur les user. C'est pas possible malheureusement. Il faut tempo, faut pas fight. On a envie de gratter la tête au top. Il faut réussir à disengage au maximum. Pour l'instant, c'est un échange qui me plaît plutôt si on prend cette tourelle. Ça va en vrai, hein. Milieu a pris le kill, on a réussi à récupérer pas mal de farm à gauche à droite. En force de TP cependant, ils vont quand même pouvoir prendre le dragon de son Afkala qui va se faire attraper Est-ce qu'on a un TP? On a un TP d'agressivo. Mais là ça va être dur. On a un TP d'agressivo, je sais pas s'il a envie d'y aller. Il tente quelque chose, très bon double stun Nafkela en même temps, agressivo. Il sait que c'est un 3v5. Il sait que c'est un 3v5. Il est un peu Nafkela qui donne tellement de temps à son équipe. Nafkela qui a libéré le kill sur l'autre. C'est tellement intelligent de sa part. Peut-être qu'on peut récupérer encore plus. Nafkela qui joue très très bien mécaniquement. Il est en train de tenir un V2 pour l'instant. Oh, c'est beau. Et la pause. Et la pause, Sixten qui a retiré son casque. Que peut-être intervention de Patrick Balkany, je pense qu'il faut les disqualifier. Il faut les disqualifier. Ok. Je pense qu'on peut gagner sur tapis vert là. Ça vient d'accélérer clairement d'un coup d'un seul. Hein. Là, c'est allé assez vite. Un game qui devient assez vite folle. On voit quand même que, comme je le disais, le vir a l'air tanky, mais en vrai, il l'est pas tant que ça, tu vois. Tellement gratuit. Je crois qu'il y a eu tentative de corruption du côté de Levallois-Perret. Il y a même le manager qui est rentré en mode oh, les gars. Incroyable, mais vrai. Que s'est-il passé? Un problème de casque, a priori. On a changé la batterie du casque. Ouais. On a vu qu'il y a eu une intervention matérielle défectueuse, probablement, peut-être un sponsor discutable. Ah, bah ils sont pas chez SteelSeries, hein, forcément. Mais c'est ça, c'est pour ça. Ça n'a pas cette qualité escomptée. En tout cas, très très bon sidestep hein, de Nafkela sur Lot. Il a réussi à récupérer le kill et derrière, ouais. Il a bien swingé avec Jace pour gagner du temps. C'est bien ce qu'il fait là, même s'il a été un petit peu derrière en early game. Il reprend du poil de la bête. Ouais, c'est très très dur, mais au moins on a vu des réactions et un peu d'initiative aussi. La petite phase au top, Nafkela était intéressante, saussante. C'est bien entre guillemets qu'il y ait ces réactions. Ensuite, faut voir. Moi le Lot, il m'écœure un peu. Là, c'est bien. On l'a fait tomber, ça me rassure un peu. Mais on voit qu'il est finalement pas si tanky, hein, parce que Ido, sur une phase de DPS en plus relativement courte, a réussi à lui infliger beaucoup. Après, c'était un Philos avec de bonnes armes aussi hein, pour fight. Faut penser juste à ça. Est très mobile, quoi. T'as l'impression qu'il est toujours en premier en intervention dès qu'il y a une ouverture possible, quoi. Ça, c'est Udyr, ouais. C'est un Udyr, c'est un champion vraiment chiant. Il y a pas d'autre. Court à 300 à l'heure. C'est un TGV, hein, Udyr. Ça reste sa grosse faiblesse, enfin pendant longtemps c'était qu'il était uniquement mêlé, c'était vraiment un mêlé radical, maintenant ça a un petit peu évolué. Le perso, on a vu notamment qu'il avait accès à des AOE. Je crois que il y a une clé USB qui a été insérée, je pense que c'est peut-être motif de disqualification, faudrait que je revoie les règles de la LFL, mais il me semble qu'on est sur quelque chose d'un peu touchy là. Il faudrait vérifier quand même. Pierre, je crois qu'il a été exploité. Je pense qu'on peut les exclure de la ligue à ce niveau-là. On se retrouve au Summer Split. Et Géo, mine de rien, qui sont un petit peu notre némésis, hein, sans le vouloir, mais ils nous ont sorti en finale du Loser Bracket lors du Spring Split. Ils nous ont sorti au play-off du Summer Split. Oui, Géo, on a du mal toujours, ouais. Et ils ont recruté Lot en déposant une valise à Levallois. Donc forcément, ça c'est une équipe. Est-ce que tu veux que je les insulte là? C'est ce que tu me demandes là? Unleash Alexis. Oh non, tranquille. Au moins 2-3 jours, je vais rester bien après. Très bien, très bien. Après, je garantis pas, mais. Attends quelques jours. Hein. Mais peut-être, quelques tweets. Moi, je vous trouve subtil, hein. Je vous trouve gentil et subtil, mais bon. Bien sûr. C'est vrai que. S'il faut lâcher du bon FDP, j'hésiterai pas, quoi. Non, mais parce que le problème, c'est que c'est quand même subtil, parce qu'il faut pas être graveleux au point d'être traité de boomer par les fans les plus jeunes. Il faut pas être trop agressif, sinon, ça va chouiner. C'est pas grave. Ça se maîtrise, ça se maîtrise. Que monsieur Hamar m'envoie les amendes, je les paierai bravement. Un banter sous haute pression quand même. Les gens disent que la Aegis n'a pas de budget, mais alors pour banter, s'il faut prendre des amendes, on les paye toutes. Je paierai. Aucun souci. À base de vos grandes daronnes, on peut y aller. Oui.
25 minutes de jeu, messieurs, dames. On est pour l'instant toujours sur un écart qui est similaire. 2500 goals hein, depuis une quinzaine de minutes. Voilà, on a un petit peu raté l'early game. Et finalement, là, on est en statu quo. La clé pour nous, ça va être Ido sur ce mid-late game. Il commence à avoir des dégâts avec son Aphelios. Jésus est très, très flippant également, bien sûr, mais... mettre la bataille des AD carry à ce niveau-là, il faut les respecter. Jésus a un recall là, il a acheté Navori. Navori qui fait globalement ce que ça faisait avant. Hein. Ça reste de quoi spam des sorts en tout genre. Toujours très fort sur Lucian, bien sûr. Et on a IE Kraken sur Ido. Alors ça coûte un peu plus cher qu'un build standard, mais c'est déjà très bien. Ouais, Ido il a l'air chaud, hein. Faut le feed un peu là. Ouais, directement, hein. Jésus qui hésite pas à agresser. Normal. Lucian Mido, tu peux faire ça. C'est des problèmes. Prends le route. Et les problèmes. Aïe aïe aïe. Ouais, il est balles. Alors, on n'a pas de tank, hein, c'est ça le truc. Hein, c'est que Jésus il peut vraiment se balader assez facilement. Si on avait un très très bon early game, je pense qu'il pourrait vraiment pas se permettre ça. Mais là, vu que ça a été l'inverse, il est un peu plus à l'aise. Tout à fait. Il en est sur la phase où il a de l'impact. Hein, ce Lucian va falloir réussir à bien déclencher. Je pense qu'en termes de pur DPS, on peut quand même bien matcher. Mais effectivement, dans ces phases un peu. Presque à la Zeri, tu vois, un peu le moustique quand il vient, il tac, il dash, il te gratte, il repart. C'est là qu'il excelle. Donc attention, on va le vouloir, on va le voir faire ça le plus possible. Hein. Oh là là là, ouais, Ido, à chaque fois. Elle peut faire tellement vite. Waouh, ouais, ouais, le trade est dur, hein. Le trade est dur sur ses phases courtes. Ah là, le 3-0 triple item Lucian, sans tank, il est dur à tanker. Hein. Tout à fait. On va avoir du mal à aller le chercher, en plus ce milieu qui va vraiment, vraiment bien l'épauler. Et ils veulent déclencher le baron, hein, clairement. Mais on n'a pas d'engage de loin. On n'a pas une arrow de hache, on n'a pas un ulti de Maokai, on n'a pas. On a l'ulti Rumble, hein. L'ulti Rumble ça peut simuler un peu ça. Ouais, mais Lucian c'est un bon champion contre Rumble en soi. Attention ici, le baron d'Achor, effectivement, tu le disais. Ouais, ils sont tous là-bas, ça fond très vite. Ça va vite, hein. il faut vraiment qu'on arrive à au moins récupérer de la vision dessus. On se doute hein, qu'ils sont dessus, mais on n'a pas forcément la vision. Vénirin qui vient de prendre énormément de dégâts, il faudrait au moins qu'il puisse. L'ulti de Rumble. L'ultimate Rumble est pas horrible. On voit Bukada qui font quand même bien de côté de ce baron Bukada. Plutôt un bon travail. L'ultimate de Renata est pas mal du tout. Non, il sera un tout petit peu trop court. Chill. C'est bien. Ouais, clairement. Le baron va régen, c'est plutôt une bonne opération pour nous. On a forcément toutes les prios, mais oh là là, c'est. Si l'ulti Renata touche, oh là 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 là, le carnage. Là, on est à Nice. Ça se joue vraiment à 1 mm. On est à Nice, les supporters crient la chatte. Très bien. Oui. Ouais. Juste là, on est en cast, on est à la maison, première game, un peu plus de retenue. Cleanse de Jésus d'utiliser, mais clairement. Ça aurait pu être un beau flip, ouais, c'est dommage. Voilà, c'était. Ça, c'est, j'aime bien cette game, elle se dynamite vraiment d'un rien. Ça me plaît bien. Attention quand même, le prochain Drake qui sera la Soul Infernale, ce qui va bien sûr beaucoup profiter à la composition Géo. Il y a Ryuzaki devant, hein, toujours, hein. En termes de gold, en termes de farming, en termes le de... Le salut vient peut-être... Le son ici, non. Ouais, et puis ce Maokai, tu en entends parler, Sean, tu disais justement qu'on avait peut-être pas de tank, mais Maokai et Liandry, c'est pas non plus un... C'est pas le summum du tanking non plus, même si le perso reste quand même basiquement très fort. Mais... C'est parce que Udyr tank, du coup. En fait, je pensais que Udyr allait être plus cette carry et Maokai tank, mais finalement, c'est littéralement l'inverse. Après, les... Les petits saplings avec Liandry, ça rend dingo quand même. Trentaine de secondes avant le drame. Allez les gars, niveau 16, on a levez les drapeaux. Qui va téléport, on a aussi un TP hein, de Sixten au niveau de la mid lane. Ça veut partir en Aram, j'ai l'impression. Oh, Bukada qui va lancer. Il a un bel angle, effectivement, l'engage. Il a un bel angle, la patte qui va se faire avoir, qui ne pourra pas forcément sortir, ça va être dur. S'il s'en sortira de très peu, cependant, l'ultimate de Renata qui n'aura pas grand impact ici, il va simplement scinder l'équipe adverse et on va avoir le dragon hein, qui va apparaître dans 30 secondes. Il faut les faire douter. Vous prenez la Soul, on prend le baron, c'est pas évident. On a l'autre qui va pouvoir notamment être problématique en contestation. Faut pas forcément l'engager ce baron, faut pas se précipiter. On va vouloir être un peu tatillon. Ici, on a quand même Lucian qui va prendre le Drake pendant ce temps. Là, on est perdant en rechange, bien sûr. Il le fait solo. Ils vont prendre la Soul. Ouais, ils ont raison, c'est un bon play de la part de Géo, clairement. C'est bien joué. Denial de Nashor et Lucian, c'est échec et mat là, ici pour nous. Il aurait fallu qu'on puisse engage maintenant, mais on n'a pas nos ultimates disponibles. Non, mais ils sont devant, hein, Géo, ils sont devant, ils jouent bien avec les limites. Voilà, et. Là, il n'y avait rien à faire, Jesus. Vraiment. Oh wow. Et ouais, avec la Soul, là, ça rigole plus. Ça réveille, hein. Ouais, ça on voit, ouais. Et là, on a 3 dragons infernaux. Avec les dégâts de ce Jace face à un AD carry.
Ça fond très vite. Ça dégoûte. On a 3 items sur Ido maintenant. On va peut-être pouvoir commencer un match, la BT en plus, hein, qui va être importante. On a vu qu'on était face à beaucoup beaucoup de phases de poke. On a vu devant le Nashor que ouais, sur un teamfight où tout s'aligne, ça peut burst la compo adverse, mais ouais, là ça... Complètement. Alors on a une très très bonne compo de teamfight. Il va falloir gagner un gros teamfight, hein, sinon c'est chaud chaud. Oh là là, putain les dégâts, ça rend dingo, ouais. C'est un délire. Mais ça va être un bon exercice pour notre équipe, en tout cas là on a joué toute la partie derrière, clairement depuis l'early game. Et on a réussi quand même à montrer qu'on était capable de tenir, à trouver des escarmouches quand il fallait, donc... Bon exercice de team building, presque, j'ai envie de dire. Mais là, il commence à y avoir beaucoup d'HP en face, beaucoup de dégâts. Ouais, Lot. Oh là 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 là. Bon, Ido qui va arriver. C'est très bon, c'est un nerf qui est là. Qui excellent, va c'est dommage, ça joue à très peu de choses. La cleanse de Jésus qui a été claquée en réflexe. Sinon, il prenait l'ultimate et il tombait clairement. Milio, je pense, n'aurait pas suffi à le sauver. Ça, c'est pas mal. Ça permet de gagner un petit peu d'espace aussi. Niveau vision, on voit qu'on est vite étriqué. Hein. Ouais, on est tous un petit peu midlife là, ça fait peur. Hein. Ryuzaki qui a envie. Hein. Ryuzaki qui a envie. Ouais, putain, mais vas-y. Mais va te dire un petit peu. Allez, pour le moment, on est quand même pas si mal. Alors, bien sûr, on joue de derrière, hein, c'est sûr, mais. Ouais, on a un peu on arrive life, à ne pas se laisser écraser. J'aime bien l'esprit, ça me plaît. Ouais, non, clairement. Clairement, on a envie de jouer. On sent qu'on est juste un peu frustré d'être derrière, quoi, d'avoir moins de dégâts, d'avoir un peu moins de tankiness, de prendre du poke, d'avoir Lucienne qui nous dash devant. Normal. Mais si on était un tout petit peu mieux, on sent qu'on a envie de rentrer dedans. Ouais, on sait qu'on est, pas en team fight, on sait qu'on peut prendre du kill, on sait qu'on n'est pas non plus faible, hein, loin d'être. Ouh là là, Ryuzaki touche un Q sur Jésus dans d'autres circonstances, laissez-moi croire. Oui, bah oui, typiquement. My mind is telling me no, but my body. Ah oui. Là, on se le cul t'appuie, je te le dis. Ryuzaki qui... Il n'a pas vision. Check. Ouais, il voit pas grand chose. C'est pas mal, on peut reprendre un peu de sight aussi, c'est bien pour nous. Et on sent le leading de Ryuzaki. Généralement, de manière assez abstraite, on peut voir un petit peu qui lead dans une équipe quand on voit qui est devant. Attention, et qui prend les positions. Et là, on le voit, Ryuzaki, c'est toujours la personne qui est devant parmi nous. Souvent, c'est les supports ou les jungles, et là, c'est lui. Absolument. Ouais, toujours Ryo qui veut setup ce baron. Ils ont... grand intérêt à le récupérer avant le spawn de l'Elder, bien sûr. Ça va pas changer, hein, l'Elder, si vous vous demandez. C'est pareil, hein, ça fait la même chose. C'est win condition, quoi. C'est win con pour toutes les compos de la Terre. Je suis content, on tient bien en tout cas. C'est vrai qu'on est derrière, il y a plus de chances qu'on perde qu'on gagne, mais on tient très très bien, il y a un beau mental déjà dans cette équipe. Vu le début de la game, franchement, ça aurait pu vraiment dérouler. Hein. C'est des setups comme ça où t'as 2-0 sur Jace, 2-0 sur Lucian. C'est des persos qui sont très très forts en mid game en plus, ça peut clairement avancer vite. Donc on s'en sort bien. Attention, Venio, par contre, il va peut-être se faire attraper ici, c'est compliqué. Puis là, qui tente de trouver une ouverture, c'est pas évident. Venio, sage. On a envie de jouer, les gars. Ça, c'est bon. Agressivo, level 17 maintenant. Commence à matcher un petit peu tout le monde. Il y a juste Sixten, hein, qui est level 18. On va forcément faire la rotation au niveau top. Dans tous les cas, ça se jouera à un teamfight et à une belle agression de la part de notre équipe qui peut tendre vers un Nashor. Mais la tendance est vers Geo, clairement. Il faut donner. Il y avait cette menace de dive. Agressivo qui fait ce qu'il peut. Ouais, il défend plutôt bien. Hein. Mmh. Il a de l'impact ce Rumble. Il a de la présence quand même. Ça fait plaisir, on est en train de bien endormir jusqu'à potentiellement avoir ce dilemme Baron Elder qui pourrait être notre avantage sur un bon teamfight. Après c'est dur, on n'a pas du tout de vision. Ah, et là Géo qui vont trouver le bon moment pour engage, j'ai l'impression. On a l'air de savoir, il y a eu une déferlante de ping qui s'est abattue sur le Baron. On est un peu loin. On va arriver peut-être un peu tard, j'ai l'impression l'ultimate de Rumble qui est pas mauvais du tout, il était très bon, de très bons dégâts. Ils vont le récupérer, peut-on chercher un engage derrière ça? Non, j'ai pas l'impression, l'ulti Rumble qui a mis tout le monde mid-bar quand même, c'est... assez puissant, mais ouais, là on va devoir donner, malheureusement c'est le résultat logique de toute la pression qui a été mise et puis la vision, hein, surtout qui nous manque cruellement. C'est dur d'avancer, on a un TP directement dans le sol, un peu particulier. Il est bizarre, c'est ton il est très bizarre. Double TP, Sixten et Udyr qui arrive par dessus, ça va être dur. On a tué, Yuzaki un peu court sur ce dash, il va peut-être pouvoir temporiser les dégâts de Lot. On est ensemble. Sur un ultimate de Jésus qui va faire d'énormes dégâts, bien sûr. Ryuzaki qui va tomber. Un pour un.
Bah, là, on défend bien, on a récupéré un bon shutdown aussi. Et Ido qui est bien tenu quand même. Hein. Je sais pas comment il est pas mort, mais... Oui, bonne question. J'ai pris le double TP qui était assez surprenant. Agressio qui se fait chase comme Jaja, ouais, le flash. Oh, le red bull. Il va tenir bon, il va tenir bon, heureusement. Mais ouais, effectivement, on en parlait, hein. Lucian Milio, c'est plus du tout uniquement pour l'early game. Ça scale très bien. Et puis justement, Lucian qui a tendance à manquer un peu de portée, Milio qui lui apporte avec son W justement cet extra range. Ah ouais, shutdown hein, sur Jace. Ouais. Qui est parti alors sur qui, sur Lucian ou ouais. Sur Syndra Syndra, je crois. C'est sûr. Je crois. Parce attention, Lucian, il a un cas d'avance d'un un coup. Un engage potentiel, Milio va avoir un bon stun placé, mais directement l'ultimate de Milio qui va cleanse, Lucian qui prend de lourds dégâts, mais ça ne suffira malheureusement pas. Il y a l'autre sur qui arrive sur le ah, là, il faut y aller. Et le re-engage hein, avec ce, dire, le re-engage agressivo qui va tenter de rentrer dedans, c'est dur. L'autre qui est en train de faire du bon travail sur la backline, et c'est compliqué pour nous malheureusement de s'en sortir. Ido qui n'a pas le DPS suffisant, il essaye de se battre comme un beau diable, mais ça suffit pas du tout malheureusement. L'ultimate de Ryuzaki qui ne tuera pas, bon flash de Jésus pour en plus de ça. Esquiver les dégâts potentiels et je crains les amis que nous ne perdions cette première partie de l'année. Voilà, ça a été un dernier teamfight expéditif. L'early, hein, on donne trop. Et on a joué derrière pendant 30 minutes presque, allez, 25 minutes. Oui, la game est relativement longue malgré. Ah mais on s'est battu, ça. On s'est battu. Ouais, franchement, tu vois, on perd, mais je trouve qu'on s'est pas fait se pomper la gueule, tu vois. On s'est battu. Il y a un truc de, on a cherché et eu un peu de. T'aurais pu mieux se goupiller par un moment, mais franchement c'était pas mal. Et on a quand même fait des erreurs en early qui sont payées au prix fort. Mais j'aime plutôt bien le message que ça envoie. C'est battu. Nice ride. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Mais ouais, peut-être que... Des choses à voir, mais ouais, on a vu du bon. Et puis la draft, ouais, peut-être une petite... Mais bon, ça c'est au début de set, c'est non, au début de set. Draft, début voilà, de... Ouais. Non, la draft, moi je trouve que la draft est très bonne. Il y a forcément le Udyr qui est un petit peu arrivé en surprise, qui neutralise pas mal Rumble, ça c'est vrai. Mais globalement, sachant qu'on a dû en plus blind le mid, je trouve qu'il y a eu beaucoup de jungler ban aussi. Je sais pas, j'aime bien, je trouve que notre draft elle est pas absurde du tout. Juste qu'en gros, on a des conditions de victoire qui demandent d'être un peu devant. Syndra, Lee Sin, t'as envie quand même de lead un peu la game, c'est normal. Eh oui. Mais la draft pour moi avait vraiment du sens. Donc le Udyr a pas eu l'impact non plus tétanisant qu'on aurait pu. Enfin, je pense qu'un Xanté par exemple aurait fait globalement la même chose dans cette game-là, je veux dire. Donc non, j'aime bien franchement. Juste voilà, bon, bah, on est tombé derrière assez vite contre une compo qui sait snowball des joueurs d'expérience. Donc c'est, je suis pas choqué. J'aime bien. Ouais, on sent qu'on a envie de jouer ensemble. On sent qu'on a envie de s'entraider. On sent que macro, d'un point de vue macro, il y a des bonnes. Il y a des bonnes automatismes, il y a des bons automatismes pardon pour cette équipe là, donc assez confiant. C'est la première game, c'est un peu brouillon parfois pour les équipes hein, forcément. Même Géo, alors je sais pas ce que vous avez pensé de Géo les gars, mais pas forcément hyper flippant sur ce qu'on a vu. Je pense que on a un peu perdu contre nous-mêmes. Sur notamment l'early game, le pas trop au niveau de la bot lane. Merci le pas Twix, trop au niveau effectivement on a pas mal de choses à dire de la et j'ai deux analystes mais j'ai l'impression que là c'est vraiment le travail est à faire pour nous-mêmes hein. Ouais, après ils ont quand même très bien joué hein. Globalement ils ont bien abusé des erreurs je pense et ils ont réussi à garder le lead aussi, donc c'était une bonne game franchement GG à Géo. N'hésitez pas bien sûr la commu à envoyer un max de messages à nos joueurs hein, bien sûr aussi, c'est un peu compliqué, t'arrives dans la ligue, ils ont vraiment envie en plus de vous rendre fiers, donc n'hésitez pas à les bombarder un peu sur les réseaux, leur envoyer un peu d'amour, ça leur fera clairement du bien. Puis demain, c'est de toute façon, deuxième match aussi contre Solari. Enfin, on est facile. Attention, parce que oui, Solari joue le titre, hein, donc faut être solide hein, quand même.